De retour sur le plateau de TV Finance dans notre rubrique Le Broker du jour, on retrouve David Derry, analyste marché chez eToro, qui nous fait découvrir les market movers aux États-Unis. Bonjour David. Bonjour. Les marchés américains attendent les résultats du quatrième trimestre qui devrait arriver dans les jours à venir. Ce sont les banques qui ont ouvert les festivités. On peut citer JP Morgan qui chute de 6% après l'annonce de résultats décevants. Citigroup qui cède 1,25% après un recul de son bénéfice au quatrième trimestre. Et enfin, on a BlackRock, le mastodonte de la gestion d'actifs, qui lâche 2,2% avec un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Voilà pour les chiffres. Qu'en dit votre analyse, David ? Ben c'est tout à fait ça. Donc, ça impacte le marché américain négativement en ce début de semaine, hein, des résultats qu'ont déçus, notamment JP Morgan, qui est dans les banques l'action qui recule le plus, notamment en raison d'inquiétudes sur leur activité de trading. Hein. On a vu que l'activité de trading au quatrième trimestre pour JP Morgan était en dessous des attentes et étaient en recul. Ils ont aussi confirmé leur crainte sur l'inflation et sur le variant Omicron qui se répand de plus en plus. Et donc, les analystes ont peur justement que JP Morgan n'arrive pas à atteindre ses objectifs qu'ils avaient donnés pour l'année 2022. Et donc, on a un cours qui perd 6%. Et on a ces banques qui justement pèsent sur les marchés américains. Si on regarde le Nasdaq ici, on voit que le Nasdaq il est à 15 330 points. On est descendu un petit peu. On avait commencé l'année, on l'avait commencé au-dessus de 16 000 points. Donc on voit qu'on est en repli. Pareil pour le S&P et le Dow Jones. Hein. Pour le Dow Jones, on est aux alentours des 30 000 points. Et pour eux, on est autour des 46 600 points. Mais on est justement en recul sur ce début de semaine avec des banques notamment. Donc si on reprend JP Morgan qui recule, on a aussi Citigroup qui déçoit largement les analystes. Comme vous l'avez dit, ils ont un bénéfice qui a reculé de 26%. Et donc, on voit que justement, on est en train de corriger assez fortement. Hein. JP Morgan, qui avait pourtant bien commencé l'année, on en parlait. On en parlait la semaine dernière en disant qu'on allait peut-être revenir sur un plus haut historique si on arrivait à avoir un positif. Heureusement, ça n'a pas été chose faite. Donc, on a un cours qui perd. Dans les banques, seule banque qui annonce pour le moment des résultats un peu mieux qu'attendus, c'est Wells Fargo. Mais c'est vraiment la seule. D'ailleurs, on voit que Wells Fargo profite de cette nouvelle pour augmenter et pour dépasser cette fois-ci définitivement ces niveaux qu'on avait connus avant le Covid, qui étaient aux alentours des 55 dollars. On voit justement Wells Fargo qui repart. Et puis voilà ce qu'il en est pour les banques et pour le marché américain sur cette semaine. Ensuite, on a eu le pétrole qui a bien bougé et on a le pétrole qui revient à un plus haut de 8 ans, qui revient à ses niveaux de 2014. Donc c'est aussi assez notable. Alors, on pourrait expliquer pétrole au plus haut pour deux raisons, mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est que depuis justement l'annonce du Covid en mars 2020, où pour ceux qui s'en rappellent, on était tombé même dans des territoires négatifs sur le pétrole, avec un pétrole qui, nous, sur eToro, le cours avait atteint les 7 ou les 8 dollars. Et donc, on est fortement reparti en hausse depuis. On a un pétrole qui fait que monter. Alors, il y a deux raisons qui expliquent notamment cette hausse. La première, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit, justement, pèse sur le pétrole, notamment sur la supply chain du pétrole européen. On a plus de mal à transporter le pétrole et à le faire rentrer en Europe, le pétrole russe. Et du coup, ça impacte positivement le cours. Et puis la deuxième, c'est que la production de pétrole est pour le moment ralentie, hein, parce qu'il y a plusieurs pays qui justement ont stoppé, notamment le
Récemment, en raison d'une vague de froid assez importante, mais aussi la Libye, l'Angola, l'Équateur qui ont arrêté pour le moment la production de pétrole. Et donc, on a des prix qui montent. Le seul qui pourrait intervenir sur le pétrole, c'est l'OPEP, qui pourrait décider de produire plus pour justement émettre plus d'offres sur le marché. Parce qu'on voit que la demande est repartie, hein. Avant justement mars 2020 avec le pétrole qui était arrivé dans des territoires négatifs, on voit depuis partie et la demande pour le pétrole, étant donné qu'on a fini les confinements et ce genre de choses, a été aussi est repartie à la hausse. Et donc on a un pétrole qui pourrait qui a atteint déjà son plus haut depuis 8 ans. Si on se met en semaine. Hop, vous allez bien le voir ici, qu'on revient quand même. Hop, voilà, le dernier niveau c'était en 2014, et donc ça profite largement au pétrole, avec un pétrole qui pourrait désormais, certains analystes estiment que le pétrole pourrait désormais dépasser les 90, voire atteindre les 100 $ d'ici les prochaines semaines avec les conditions économiques actuelles. Donc un pétrole qui monte, ce qui profite aussi aux valeurs du secteur pétrolière, hein. Si par exemple on prend des boîtes dans ce milieu-là, hein, par exemple Shell ou autre, on voit que les boîtes étaient en hausse justement suite à cette annonce. Et puis troisième chose de notable sur les marchés américains en ce début de semaine, c'est les boîtes et toutes les entreprises qui opèrent dans le domaine du casino qui repartent notamment en hausse, hein, notamment suite à la décision de Macao de justement retravailler et redonner des licences de façon plus simple et retravailler les conditions pour obtenir la licence. Et donc ça a été plutôt positif pour le marché qui a pas mal souffert ces dernières années, hein, notamment en 2021. On était reparti un peu à la suite de confinement. Malheureusement, en 2021, on était venu corriger. Et là, ça donne un espoir pour les valeurs de casino avec une boîte comme Las Vegas Sands qui prenait plus de 14% hier et qui faisait partie des principaux market movers.